Eh bien salut tout le monde, c'est Matoté, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Link to the Past. C'est le deuxième épisode que je tourne de la même journée, mais c'est l'épisode 6, c'est Zelda 3. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Dans le dernier épisode, on avait fait le donjon des ténèbres, et là on continue tout simplement. Alors je vois bien qu'on ne peut rien faire. Voilà ce que je vois. Alors, je me questionne sur quelque chose. Mais trois fois rien. On va voir un truc. J'en sais rien. Je vais faire ça. Par pur... pur questionnement. Hein. J'en sais rien après. Hein. Alors, voilà. Non. Comme ça. Voilà. Hop là, pardon. Oh tiens, lui il m'arrange. Non, pas du tout. Alors, j'espère que vous, par rapport au dernier épisode, c'est vrai que je pose pas la question puisque vu que j'ai tourné dans la même journée, mais j'espère que vous allez bien par rapport au dernier épisode parce que pour vous il s'est écoulé une semaine au moins. Alors j'espère ne pas me tromper. Non, je... Voilà. Donc l'eau s'évade. S'évade, oui. Non, se dissipe pas. S'échappe, poursuit sa route, voilà, trouvez des synonymes s'il vous plaît. Voilà, et maintenant, on fait demi-tour. Ah oui, ça a été asséché. Oh là là, je suis trop fort. Très bien, donc ce qui se passe dans le monde d'Hyrule normal a une répercussion ici. Très bien, moi je vais tuer ces ennemis comme ça. Ouais, tiens, voilà, hop, on traverse. Il y a eu ça. Une clé. Oh là là, lui il me fait peur. Il y a eu un ennemi marin là, il m'a fait peur. J'ai ma minette qui se balade dans mes pieds. Donc si jamais vous entendez des miaulements, c'est tout simplement elle. Waouh. Waouh. Ne. Oh, il y a... Il y a un truc ici. Voilà, tout simplement. Hop, on met les bombes. Voilà, on va faire ça. Oui. Allez, on se calme. Tu te calmes, Denis. Vous connaissez? Hop. Oh yes, la carte. C'est des blobs, ça? Ces ennemis, là, qu'on voit pour... Alors, première apparition dans Zelda 1 et apparition dans Zelda 2 aussi. Alors, des blobs, des gelés chuchus, appelez ça comme vous voulez. Ça porte des noms tout le temps différents, ces machins. Yes. Vous avez vu ces esquives que je fournis, moi? Que des... on a une double clé. On a une double clé. Ah non, on a qu'une seule clé, en fait. Pardon. Ok, toi je te tue. Oui. Ah, à chaque fois que je tire, ça tire aussi. D'accord. J'ai la logique. J'ai la logique du machin. Très bien. D'accord, il nous faut une clé, donc absolument ici. Temple de l'eau, est-ce que c'est la première fois qu'il y a un temple? Oui, c'est la première fois qu'il y a un système de temple de l'eau comme ça. Très très bien. Donc nous on poursuit. J'ai même pas regardé la carte, hein, tellement je suis serein. Ouais, je peux pousser ça? Non. Ça sent le regret à l'avenir. Ok. Boum. Ah, donc combien même on arriverait à rentrer dans le donjon sans le marteau? Eh ben, on aurait pas pu continuer. Ah ouais, ils prennent de l'avance par rapport au glitch que les joueurs auraient pu avoir. L'eau monte, c'est pour ça que Link ne bougeait plus. Alors, je suis curieux parce que je vois qu'il y a ça. Alors, je l'ai pas vu, hein. Je viens juste de... Enfin, je l'ai pas vu en rentrant. Je viens de m'en rendre compte à l'instant. Donc, je me dis, à tous les coups... Ouais. D'accord. Eh ben, ça annonce du lourd, hein. Ça me parle, la pièce d'après. Je sais c'est quoi l'objet du donjon, hein, d'ailleurs. Je vous spoil pas, mais c'est... Alors... Je vais vous donner un indice pour ceux qui me suivent depuis peut-être un moment dans les, depuis les Zelda. C'est mon objet préféré ever Zelda. Hein. Sachez-le. Très bien. Alors on peut aller en bas. Bon allez, attendez. Parce que ça se trouve, moi je dis je vais en bas et tout et j'esquive. Mais d'abord on va monter là parce que ça se trouve... Ah oui, d'accord. Il nous faut absolument la grande clé. Ok, on peut pas aller, on peut aller nulle part. Déjà là dans cette pièce vous avez des indices. De l'objet qui est à mon avis dans ce coffre central.
Mais voilà. Boum. Oui, alors j'imagine. Voilà, j'imagine bien moi. Waouh. Oh, un cœur que je gaspillais. Je m'excuse de tousser. Oui, voilà, je l'ai vu venir l'autre. Hein. Je l'ai vu venir. Très bien. D'accord. Super. Et ça m'avance à... À quoi? Je ne sais pas. On va regarder la carte. D'accord. Non mais il y a forcément un truc là. On peut pas m'emmener ici et me dire qu'il n'y a rien. On va ressortir par là. Ce qui me semblerait... Ah voilà. D'accord, on a une boussole. Bon. On a loupé rien du tout là. Hein. Ah, ok. J'étais intrigué. Une porte qu'on n'a pas pris? Mais si, on a pris. En fait, elle nous menait à l'étage. Oh, toi tu t'en vas. On peut grimper ici. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais. Ah bah d'accord. Oh, mais pardi. Ce truc rouge, il est pénible. Oui. Laisse-moi tranquille. Je ne t'apprécie guère. Oh, il est bloqué? Non, mais va-t'en de là-bas. Mais... Oh. Allez! Laisse-moi. Oh là là. D'accord. D'accord. Ok. Pardon. Oh, il a une clé. Puis ça, il a pété les plombs, lui, à côté. J'imagine... Eh oui, bah. On imagine bien, des fois. Alors, hop. Esquive. Waouh. On va t'attaquer. Waouh. Voilà. Le machin rouge, il tire que quand je tire. Alors, on descend. J'aurais pu sauter, je pense que ce serait aller plus vite. Alors, il n'y a pas de... Non, laisse-moi tranquille. Éventuellement de porte hein, par en bas là. Non, ok, c'est ce que je voulais voir. On grimpe. Allez, c'est parti. Alors, qu'y a-t-il ici? Bah, je suis pas trop mal centré. Ouais. Ok. Yes. D'accord. Non, allez. Wow. Pardon, faut que j'arrête de faire ça. De l'eau. Ah, mais l'avantage, il y a un avantage. Regardez, vous allez comprendre. Là, hop, lui, on va le tuer, super. Pourquoi je fais ça? J'en sais rien, j'avais juste à faire le grand tour. Flemmard que je suis, parfois, là. Ok, voilà. Non, toi, tu me laisses tranquille. Mais c'est sérieux, ça. Et voilà. Juste pour embêter. Coucou, ma kikounette. Ah oui, parce que ma minette s'appelle Kiki, en référence à Kiki, la petite sorcière. Oui, parce que si c'était un mâle, on l'aurait appelé comme le mâle. Pétard, j'ai plus le nom en tête. Mais non, c'est Kiki. Voilà. Hii. Voilà. Non, des flèches. Je les veux. Non, oh, il me fatigue. Oui. Oui, voilà. Un petit peu de magie, ça fait pas de mal. Et bon, par contre... Allez, hop. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, t'inquiète. Ah. T'inquiète, ouais, ouais. Bah, j'imagine. Oh, mais je suis bête. En plus, jamais je loupe des énigmes comme ça. Mais vraiment, j'ai juste fait... J'ai su dès le moment où j'ai activé le premier bloc, j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait ça? En plus, tout à l'heure, j'avais déjà réfléchi, je savais déjà comment résoudre ce mystère et tout. Enfin, il suffit de faire comme ça, mais enfin. Mais enfin. Ah, attendez. Boum! J'ai cru qu'il allait me faire des dégâts. Je suis content d'avoir ce gros bouclier dès le début du jeu, là, déjà. Parce que d'habitude, je l'oublie et il est tout le temps à la fin. Très bien, alors on est ici. Waouh! Ah, d'accord. Alors, vous savez quoi? On va tout tuer. On va tout tuer. Arrêtez. Arrêtez. Ah, il y a gauche. La gauche. Parce que je suis gaucher. Et voilà. Ah, droite du coup. Oh, on va...
Il m'énerve. Vous allez voir que la droite, elle va être embêtante aussi. Que ce soit droite ou gauche, on est dans la merde. Petit message. Oh là là. Bon, elle est facile, hein. Je me mouille pas non plus sur mes idées politiques, machin. J'avoue que je me mouille pas. Hop. En même temps, j'ai pas envie, hein, pour être honnête. Ok, allez. Droite, cette fois. Mais oui. J'ai bien compris, ça. Pétard. Allez, on va activer. Pourquoi j'aurais dû le faire avant? Mais non, mais parce que je me suis dit, on sait jamais. Non, mais monsieur. Par où c'est? C'est là, tout simplement. Voilà. Et oui, parce qu'il nous oblige en fait à faire le grand tour, parce que sinon c'est pas drôle. D'accord. Hop. Voilà. On est obligé de passer par là. Eh ben dis donc, faut le mériter, l'objet du donjon, hein. Il faut le mériter, dis donc. Bon, en vrai, il est pas si compliqué que ça. J'avais mémoire d'un donjon un peu plus agité que ça. C'est dingue. Alors, ici, allez, là, là, voilà. C'est pénible à contrôler Link dans l'eau. Il a une sorte de glissade, mais c'est pas de la glissade. C'est un peu moins bien foutu que de la glissade. J'allais encore me tromper, hein. J'allais encore faire l'erreur de tout à l'heure. J'ai une soudaine envie d'éternuer qui est un soupçon. C'est juste un micro-poussiéron là qui est arrivé. Mais là j'ai plus envie. Mais qui allait me donner l'envie. Et en parlant, je me suis coupé l'envie. Vous avez vu le professionnalisme. Et ça, tousser par contre, ça l'était moins. Allez, hop. Petit tac là moi-même. Étage moins 1. Allez, hop, on prend. Oui, la grosse clé. Maintenant, on peut retourner dans la zone principale et presque je peux dire que le donjon est terminé finalement. Ah non, il en reste un peu quand même. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Allez, hop. N'empêche, regardez la texture de l'eau et tout. Enfin, rendez-vous compte quand même, hein. Deuxième console de Nintendo et des mondes aussi variés avec tant de pixels et tout, tant de détails, je trouve. C'est vraiment. Enfin, je trouve ça incroyable que ce jeu soit aussi bien détaillé et autant fourni pour l'époque où il est, quoi. Voilà. Alors. Et voilà. Hein, il se clink, ils appellent ça, mais c'est un grappin. Oui, voilà, grappin. Ils ont donné un nom bizarre au grappin. Oh, il y avait une clé ici, j'en savais rien. Je suis allé là un peu par hasard. Dieu! Hop, je vais plus ici, moi. Super. Allez, on grimpe. On peut aller ici. Je sais pas trop s'il y a un intérêt. Alors, je crois que je vais regretter d'avoir fait ça. Ok, oh là. Esquive, je regrette. Voilà, je le savais. Alors c'est vrai que cette animation de Link qui descend est un petit peu pénible. Oh, dis, t'es en bas, comment tu fais pour venir me toucher là, sérieusement? Allez, hop, tcho. Ah, on va là-bas, comme ça. Wouh. Boum. Des bombes. Waouh. De quoi s'agit-il? Allez. Dire que dans certains Zelda, il voilà. Oui, lui il bougeait. Ah, mais dis. Est-ce que. On a perdu beaucoup de cœur pour un truc aussi ridicule. Allez! Je suis sûr. Allez hop, là-dessus. Alors, bien sûr, on a compris, hein. D'accord. Allez. Voilà, active-toi. Très bien. J'ai deux questions. D'accord. Ok. Non, mais dis. Pétard, arrête. Cette blague.
Cette blague? Oui, salut. Hop. Oui. On en parle. Souvent d'ailleurs. Ouais, hop. Ok. Bah tout ça pour rien. Ok, moi je... Ouais, très bien. Je sais pas à quoi ça sert d'aller à droite ou à gauche. Enfin, je sais comment aller dans le... Bien sûr, c'est une chance sur deux à chaque fois. Il faut que je me trompe. Il faut que je me trompe. En même temps, tous les autres Zelda, je les connais du bout des doigts, alors fallait bien que je me fasse avoir sur l'un d'entre eux. Boum! Allez, ne meurs pas, hein. Oh là là. Yes, un cœur. Enfin, un cœur. On s'entend, hein. Et pas s'entend le chiffre, on s'entend entendre. Voilà. Hop. Non, c'était pas ici. Ah si, c'était ici. D'accord. Bonjour. Oui. Oui, mais vous me faites peur en fait. Incroyable. Ils ont le droit de me faire peur après tout, hein. Ça fait partie du job, hein. Bon, par contre, ce bruit là. Pas que moi, vu que je joue, il m'est pas non plus des plus désagréables. Mais tout de même. Mais attendez, je suis chagrin sur des trucs là. Ouais. Il y a une porte, je sais pas où elle mène. Ah. Bon, est-ce qu'elle est importante? J'en sais rien, on va voir. S'il faut faire demi-tour à un moment donné, on sait pourquoi. Hein. Boum. Il y a quoi au... Mais je sais pas moi. On va d'abord aller là. Je sais pas ce qu'il y a ici. Deux coffres. Ah. En fait, ça nous aurait descendu ici. Je crois. J'imagine, hein. Oh, dis. Oh mon Dieu. Allez, hop. Toi là, juste là. Voilà. Hop. Esquive de la loutre. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je me déteste. Oui. Voilà, je suis trop fort. Ça ici. D'accord. Il y a plusieurs chemins là? Oui, il y en a un là, très bien, qui est très clair. Parce qu'il se voit, mais j'imagine. Boum. Ouais, vas-y, viens. Voilà. Oh, mais comment on fait pour aller là-bas? Moi, je sais. Oh, je l'ai eu. Il n'y a même pas eu de cœur, hein. Je voudrais pas dire, mais le jeu a décidé d'être méchant avec moi. J'ai compris, hein. Vraiment. J'imagine. Bon, je pensais bien imaginer, hein. Bah... Moi, j'imagine bien. Yes. J'ai cru qu'il allait s'électrifier là. Des flèches, des bombes. Ah si, j'allais dire comment on fait pour battre le boss. Je me rappelais plus ce que c'était, mais ça m'est revenu là, c'est bon. Ça va, je devrais pas trop galérer pour le boss. Oh yes. Oui, mais moi je voulais des... J'ai vu quelque chose. Oh mince. Oui. Allez, voilà. Dis. Oh la blague. Ouais. Hop, là. Non. Mais dis. Oh là 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 là. Non, bah non. Ça, voilà. Vous croyez que... Je sais pas. Allez, hop, on prend ceci. Enfin, on prend ceci, on rentre ici plutôt. Allez, viens. Boum. Voilà. Moi, je te dis ce que je pense. Vous allez avoir une toute petite ellipse, mesdames, messieurs, à partir de maintenant. Eh bien, alors bon, on poursuit. Alors, est-ce qu'on peut arriver à les toucher? Mais ouais, mais là, vous êtes durs, les mecs, hein. En fait, j'ai pas le choix. Allez, hop, ici, voilà. On y va. Ah, est-ce qu'il y a une pièce que j'ai loupée? Ah, par le boss, non. Super, allez, hop, on y va. Il n'y avait toujours pas de téléporteur dans ce jeu. Oh, oh non! Ouais, t'inquiète. Moi aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Moi aussi, je te dis ce que je pense.
Très bien. Voilà, il est pas bien compliqué. Voilà. Hop. 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 Allez, hop, on se décale. On va là-bas. Voilà. Super. On la refait. Hop, voilà. Voilà. Et le dernier, qui est juste là. Allez, viens. Et maintenant, le boss, de mémoire, il va faire des des sortes de va-et-vient. Je sais pas où est-ce qu'il va atterrir, ouais. Voilà, comme ça. Et il va falloir l'anticiper. Voilà, et faire des trucs comme ça. Alors, on va bouger. Voilà. Toc, toc. Voilà. J'ai eu peur. Il va être là. Voilà. Je sais pas où il va être. Ok. Alors il devrait arriver par ici. Yes. Oh bon, on l'a eu. Très très vite en plus. Voilà, c'était pas le boss le plus compliqué. Yes, là. Super. 13 cœurs. Et deuxième. Comment on peut appeler ça? La deuxième descendante de sage. Voilà. Mon donjon amusant. Boss très amusant aussi. Ning, grâce à toi, je peux m'échapper. Mes griffes des diaboliques monstres. Merci. La Triforce exauce les vœux de celui qui la touche toute sa vie durante. C'est la racine pour laquelle elle était cachée dans les terres d'or. Seuls quelques élus connaissaient son emplacement, mais à un moment, cette connaissance se perdit. Ah oui. Nommé Ganondorf qui redécouvrit la Terre d'Or par chance. Ah, donc le nom Ganondorf était déjà écrit dans A Link to the Past à ce moment-là. Parce que la première apparition de Ganondorf... C'est dans Ocarina of Time et c'est dans l'opus 3D. Et donc il est déjà nommé à ce moment-là. D'accord. Ah, et peut-être que quand ils ont fait Ocarina of Time, ils voulaient faire en sorte que ça se passe avant. Tu as compris, bien sûr. D'accord. Et ben, c'est incroyable. Que voulez-vous ? Allez hop, on s'en va. Voilà. Alors maintenant qu'on a... Pardon. Eh ben dis donc, le grappin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Ils disent qu'il faut aller où par hasard. J'ai envie de savoir. Ouais, tout là-haut. Mais comment on fait? J'ai deux idées là qui me viennent en tête. Oui, voilà. Je l'ai calmé. Ouais, j'ai deux idées et vous allez voir. Alors on va d'abord se rendre en haut, justement. Alors attendez, avant toute chose... Aïe. Et ça m'a enlevé deux cœurs, ce machin. Alors, voilà. Vrou. Non, ça n'a pas marché. Je pensais avoir un cœur. Non. Et toi, toujours pas, hein. Bonjour. Sans rubis, machin. Ah non, mais je veux pas, moi. Ouais. Non. Bon. On va aller par là. Et je vais espérer que par là... Pardon, il y ait quelque chose. Bah non, il n'y a rien. Sinon... dis. Sinon, ça aurait été drôle. Oui. Voilà. Bon. Mais écoutez. On va faire le chemin retour classique. Par là, voilà. Est-ce que vous croyez que je peux... faire ça? Non, bon d'accord. J'ai tenté quelque chose. Voilà. Mais par contre, ces ennemis, ils enlèvent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Hein. Voilà, je sais pas ce que t'as cru toi, mais voilà. Boum, boum, et boum. Vru. Et vru. Oh, dis. Soyons copains. T'es doux. Bon, allez, hop. Hein, on va les laisser. Je me questionne sur par ici. Alors attendez, j'ai besoin de voir la carte.
Ouais, non, ce sera pas par là. C'est sûr, ce sera pas par là. Mais en revanche, est-ce que ça pourrait être par ici? Non. Non, 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 du tout. Mais par là, oui. Attendez. Oh, tu me fatigues. Très bien. Hein. Non, mais dis. On peut me laisser tranquille aussi, hein, 2 secondes. Alors là. Oui. Incroyable. Est-ce qu'on pouvait passer par ailleurs? Je n'en sais rien. Bon, on va se rendre à un endroit. Attendez, déjà en dessous. En dessous, il y a quoi? Il y a rien. Très bien. Ok. Aïe. On fonce par ici. Ah, attendez. Ouais. Oui. Oh là là. Stop. Stop, 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 stop. Oh, attendez, 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 attendez. Est-ce que là, on peut... Ah ouais, sinon ça aurait été drôle. Attendez. Il y a un quart de cœur qu'on peut récupérer. Je dis beaucoup de fois attendez, mais c'est pas grave. Ah non, j'ai cru que c'était une bombe qui allait exploser. Ok, alors hop, on prend le miroir. Oui. Faites ce... Moi aussi, je suis heureux d'être avec vous. Hop, on est là. Toc, on va ici. Et logiquement... Tu veux pas me donner un cœur, plutôt? Attendez, je me questionne sur ça. Ouais, sinon ça aurait été trop facile. Bon, toc. Un petit cœur. Oui. Juste pour plus entendre ce fameux bruit. Et normalement, je suis quasiment certain. Non, on va prendre le grappin. Je suis quasiment certain que là-dedans, il y a un quart de cœur. Voilà. Super. Il nous en manque plus que 7, du coup. Et on va en récupérer un autre dans cet épisode. Incroyable. Autre chose. Non, Eddie, quand même. Je veux bien, mais pas non plus, quoi. Voilà, là, ça devrait marcher. Mais pas non plus. Voilà. Hein? Voilà. Et si je fais ça comme ça. Oh, yeah. Non! Je veux. Non, bah tant pis. Voilà. Hein, que voulez-vous? Des fois, faut savoir renoncer aux choses. Si je fais ça ici. Mais c'est parfait. Hein, t'es sérieux là? C'est une blague? Ah ouais. Ouais, d'accord. Oh, pendant un instant, j'ai cru que ça allait être pas possible. Très bien, bon. Ah, mais le réceptacle m'a pas rendu tous mes cœurs. Et moi, j'y ai cru. Et moi, j'y ai cru. Oui. Ah, dis. On peut... Ah, mais en fait. Oh, mais dis. Oh là là. Ça, c'est agaçant. Bon, on va passer par là. Hein. Oui. Oui. Voilà. Petite attaque tourbillon là, non, par exemple. Ok, d'accord. Bon, c'était juste. Pour être sûr, quoi. Ouais. Salut. Y'a quoi ici? Y'a quoi ici? Hop. Bonjour. 20 rubis, d'accord. Ah, merci encore dans nous. J'ai vu quelqu'un de super canon dans la pyramide, mais quelqu'un là ensorcelé. Ah, ça me parle. Ah, mais oui, mais non, mais je sais. Mais on peut pas pour l'instant. Il nous manque, il nous faut un objet que. Enfin, un objet. Il va nous falloir quelque chose qu'on n'a pas encore. Ouais, on pourrait monter, mais là, faut pas monter. Pour l'instant. On va aller là. Oui, tiens. Voilà. Un, deux. Deux coups pour ces ennemis-là. On poursuit. Oui, bah, sois méchant si tu veux. Toc, et on descend. Voilà, on est ici. Et ça, c'est incroyable. Oui. Voilà. Incroyable. Alors là-dedans, est-ce qu'on peut y aller? Je ne sais pas. Ah non, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est les travers. Alors. Je vois une maison. Oh. Perdre un cœur aussi. Bêtement. Voilà, c'est ça. Bonjour.
jouer 30 rubis. Et là-dedans, j'ai une chance sur tout de tomber sur le quart de cœur. Tu n'as plus d'essai. Ah, on n'a que deux essais. Bon. Eh bien, écoutez, c'est reparti, hein. Voilà, on va faire trois parties ensemble. Et après, ça va être une ellipse, le temps de trouver le bon coffre. Ok. Ok, bon. Allez, dernière tentative avec vous et après c'est en ellipse. Oh, j'ai toussé, pardon. Ok. Alors, comment on va faire? Bon, bien sûr. Ça se trouve, c'est pas lui. Ça se trouve, c'est pas lui. Ouais. Bon, allez, en ellipse. Ah ben, re. Je l'ai eu. Au bout de je ne sais combien de tentatives. Pas beaucoup, hein. Franchement, si vous regardez... j'étais en train justement de vérifier s'il y avait bien un quart de cœur dans ce mini-jeu, en me disant que j'allais peut-être pas faire ça pour rien. Mais voilà, a priori oui, puisqu'on l'a eu. Alors, question. Voilà, je me demandais, hein. Simplement, quoi. Oh, arrête. Arrête. Mais... Voilà. Bien. Alors, on a ça. Toc. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je me questionne. D'accord, non, rien à voir. Alors, j'entends de la musique extérieure. Bah bon. Ah, les malins, je peux pas y aller pour l'instant. D'accord. À retenir, à retenir. Très bien, alors je voulais aller ici. Hein, si j'avais su. Il y a quoi ici? Dans cette maison? On fouille, hein. On fouille. Alors. Un coffre. Un coffre, un coffre, un coffre. Wow. Merci Mario, parce qu'il y a un tableau de Mario. 300 rubis. ça me fait penser d'ailleurs. Alors attendez, parce que peut-être que... Ouais. D'accord. Bon. On va faire ça. Juste là. Juste... Voilà quoi. Et là... D'accord. Il nous en manque une âme de bouteille quand même. Oh, juste j'étais curieux. Eh mon dieu. J'en ai marre de tousser. Ouais. Non, pas toi. Lui, c'est un voleur. Hein. Ouais, bah ça, c'est pour plus tard. Je regarde des choses là. Oh. Oh là là. Ça là. Alors, j'ai un espoir. Bah, c'est bien de l'en avoir déjà. De l'espoir. Il y a quoi ici? Un coffre. Oh, le gaspillage. Mais j'ai une pensée pour... D'accord. Il y avait vraiment 600 rubis en tout dans ce village. D'accord. Ah bah après tout, c'est des voleurs. Enfin, des voleurs. On s'entend. Il y a quoi ici? Parce qu'on pouvait pas monter l'autre jour. Il y a un crapaud. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah ouais, mais j'ai bien compris ce que ça allait être le pro... Mais en fait, je suis venu... Ah non, je pouvais pas y aller à cause de... Ok. Ok, à cause d'une pierre. Mais dès qu'on aura le prochain objet, le prochain objet, ouais, on pourra. D'accord, 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 d'accord. Ok, je saisis mieux le... À chaque fois que je joue à ce jeu, je comprends de mieux en mieux comment la carte, elle est réfléchie. Non, tu vas me laisser tranquille, toi, je te le dis. Voilà, hop, allez, hop, tcho. Tcho, je m'en vais. Oui, je reste pas avec vous. Voilà, je vous apprécie guère, en fait. Alors, on est là. Ah, mais voilà. Dis, laisse-moi tranquille. Voilà. Tu ne mourras jamais. Pam, pam, padada. Oh, la musique, écoutez. Cette musique, elle est formidable. Alors, est-ce qu'ils estiment qu'on est déjà dans le donjon, là, par hasard? Oh, je suis passé. Parce que le donjon, il est là, en fait, hein. C'est ça, là, hein. Oui, oui, je sais bien. Aïe, aïe, aïe.
Oui. Dis, allez. Il y a eu des nuisances sonores. Alors, on va rentrer là-dedans, juste comme ça. Très bien. Très très bien. Mais alors, on va pas rentrer là-dedans. Parce qu'on va pas faire le donjon maintenant. Ça fait combien de temps que je filme? Ouais, ça fait vraiment pas longtemps. Ok, toc et toc. Après, avec le grappin, je vois pas non plus ce qu'on peut faire de très développé, quoi. Hein. Oh putain, mais lui, il faut que je le tue en fait. Bon, attendez, y a quoi là-bas? Juste, je fouille, hein. Vous voyez, le donjon se fait un peu en extérieur aussi. C'est ça qui est dingue. Mais bon, en fait, il va falloir qu'on se laisse tomber dans le trou. Mais ça, on le fera au prochain épisode. Bon, ben, mesdames, messieurs, ce sera un épisode vraiment plus court. Du coup, là, on est dans la forêt. Donc, le temple 3, voilà. Et après, on fera celui du village. Ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il aura été plus court. Moi, j'ai apprécié le faire, voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à parler de moi autour de vous, à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller y faire un tour justement pour voir si mon contenu vous plaît. Et sur ce, moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde!